Yes, enfin, ils vont arrêter les caisses automatiques dans les supermarchés, je t'explique pourquoi. Ça m'a toujours énervé les caisses automatiques, tu sais, en fait, tu fais bout d'une personne, mais tu payes aussi cher que s'il y avait la personne, en fait. Les clients deviennent les employés les moins chers de tout le marché, hein, les gars. Puis tu sais, quand tu sors des courses, après, t'es un peu fatigué, tu te dis, putain, j'ai l'impression d'avoir bossé, quoi. Je suis pas habitué, moi, je suis pas habitué. En plus, ça remplace le travail de gens qui ont besoin de bosser, hein. C'est un métier quand même utile, quoi. Et puis, c'est sympa, le contact. Et puis, moi, ce que j'aime bien, ok, c'est quand je vais acheter mes petites pâtes, que je les jette au visage de la caissière pour qu'elle les passe, tu vois. Il y a un côté, comme moi, j'ai pas beaucoup d'argent, il y a un côté où je me dis, tiens, je suis un connard comme un autre, quoi, un connard de riche comme un autre. Yes, je peux maltraiter les gens. C'est notre seul moyen de maltraiter les gens, nous, les pauvres. Bon, après, courage à caissière, hein, c'est un métier pas facile, pour le coup, je rigole, mais c'est vraiment un peu hardos. La dernière fois, j'ai fait grave de courses, c'était jour de paye, mon pète, je m'étais acheté du sirop de grenadine. Et ouais, les bourgeois. Et le mec me dit, passez à caisse automatique, ça va plus vite. Non, ça va pas plus vite, parce que moi, je sais pas, c'est pas mon métier, en fait, donc je mets 10 ans, tu vois. Sur l'utilité des caisses automatiques, je suis un peu mitigé, ouais, parce qu'en même temps, je trouve ça cool qu'on remplace un métier qui est pas facile et un peu dur, mais en même temps, je me dis, ça crée du chômage. Mon côté bobo gauchiasse, il en prend un coup, quoi. Alors, pourquoi ils veulent arrêter les caisses? Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens volaient plus au supermarché et qu'ils commencent à perdre de l'argent. Très bonne technique. Je trouve que c'est marrant parce que c'est un peu retourné contre eux. Ils pensaient économiser de l'argent, puis au final, ils se font voler. Ah, on dirait, nous, avec la carte client, tu sais, si, il y a des points, mais je peux pas échanger contre de l'argent. Non, mais ça sert à quoi, les points de carte client? À rien. Ok, super. Ben, je vais la passer quand même. Que je me demande maintenant, c'est là avec les nouveaux trucs Amazon Go, vous savez, où tu passes, t'as juste à mettre ta main, machin, ça te crédite directement sur Amazon, ils t'observent, tout ça, machin, et là ça marche de ouf, mais aux États-Unis. En France, on a un côté où on se dit, on préfère voler que payer. Ça, c'est ma France. Tous ne volent pas, il y en a certains qui oublient la PlayStation 5 hein, dans le sachet de course. C'est vrai qu'on l'oublie vite, et du coup on paye pas. Moi c'est la technique, je vous avouerai que je l'ai fait quand même plusieurs fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, une petite sauce que j'ai oubliée au fond de la poussette. C'est horrible parce que mon gamin m'aide à voler de la sauce pour la salade. Sur un père horrible, dites-le moi en commentaire. Et du coup, je me suis toujours dit que si je me faisais griller, je l'ai oublié parce que mon fils qui pleurait. Je mens très mal. Qu'est-ce que tu penses toi des caisses automatiques, pour ou contre? Écoutez, moi je trouve qu'à un moment, c'est bien que les mecs s'en prennent plein la gueule. Ces gens-là, ils nous en mettent plein la gueule. N'oublions pas qu'ils ont reçu des aides de l'État pour mettre plus de caisses, pour faire plus de chômage, pour plus encore nous enculer. En tout cas, courage à tous les caissières et les caissiers. Métier utile, métier de contact. Hein, c'est toujours sympa, tu dis bonjour, comment ça va? Et voilà, c'est sympa. C'est bon. Bonne journée.